Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va partager ensemble un petit moment de pilates. Comme matériel, vous avez besoin juste d'un tapis et d'une bouteille d'eau. Et on va commencer sans attendre, c'est parti. Aussi le roll down, donc je suis en position assise sur les deux fesses, les deux pointes osseuses, les deux ischions, les jambes fléchies, les pieds à plat sur le tapis, les mains sous les cuisses, donc je redresse mon dos, les coudes légèrement écartés vers l'extérieur, je vais venir inspirer, donc le sommet du crâne tiré vers le haut, et sur l'expiration, je vais engager ma sangle abdominale profonde, respiration dans les côtes, j'aspire mon nombril, je descends jusqu'à mon maximum, au niveau des lombaires, un pas plus bas. J'inspire, le menton est rentré. J'expire, vous allez enrouler, 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 enrouler. Le dos en six formes en forme de C et on revient. Allez, encore, on va le faire trois fois. Inspirez, expirez. Allez, descend, descend, enroule, enroule. On inspire, expirez et remontez, 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 remontez. Allez, on engage le périnée. On rapproche le nombril au plus près de la colonne vertébrale. Expirez, descendez. Voilà, je fais en fonction de mes capacités. Si je ne veux pas descendre plus bas, vous restez dans cette position. Inspirez, expirez, allez, engagez, engagez, aspirez, respiration dans les côtes. Dernière fois, inspirez, auto-grandissez-vous, les coudes un peu vers l'extérieur, les épaules relâchées. Expirez, descendez, contrôlez les mouvements. Travaillez bien le centre du corps. Inspirez, expirez, allez, engagez, engagez, aspirez, longuez. Et on retrouve sa posture bien étirée. Je vous montre de profil, voir un petit peu mieux le mouvement du dos au niveau de la colonne vertébrale. Donc bien redressé, toujours sur les deux fesses, je vais inspirer. Et sur l'expiration, toujours les mains derrière les cuisses. Je descends, je descends, je descends. Je reste sur l'inspiration, j'expire et je remonte mon dos sifflant, mon dos arrondi, puis je redresse au dernier moment. J'inspire. Expirez. Je descends jusqu'au niveau des lombaires. J'inspire, j'expire. Allez, j'enroule et je redresse. On va passer ensuite allongé sur le dos. Donc, deux manières d'aller sur le dos. Soit vous descendez façon roll down, ici, hop, en déroulant la colonne vertébrale si je suis sensible un petit peu du dos. Deuxième façon, tout simplement. Vous mettez sur le côté et vous allongez comme ceci. Ensuite, vous mettez sur le dos et je vais attraper ma posture neutre. Donc la posture neutre, je rappelle, c'est la posture naturelle de votre colonne vertébrale, votre placement au niveau du dos et de votre bassin. Donc on a tous une posture neutre différente, hein, on ne peut pas avoir tous la même. Donc je vais venir ici, les talons sur mon tapis, les jambes largeur du bassin. Donc là, j'ai ma posture neutre et une fois que j'ai ma posture neutre, je vais mettre les mains derrière la tête. Ici. Allez, je vais inspirer. Sur l'expiration, je commence ici à me mettre en posture imprimée, c'est-à-dire je rapproche le bas du dos du sol et je vais décoller la tête avec les mains toujours derrière. Les coudes légèrement vers l'extérieur. Je vais inspirer et sur l'expiration, allez, lentement, je déroule. Cet exercice, on peut l'appeler chest lift. J'inspire, j'expire, et je passe ici. Allez, respiration dans les côtes, le nombril qui est aspiré. J'inspire, j'expire. Alors, vous à la maison, n'hésitez pas à respirer bien profondément. Alors, moi, j'essaie de respirer modérément parce que j'ai le micro, donc sinon, ça fait un petit peu de parasite. Mais la respiration est longue et profonde. On va le faire encore deux fois. J'inspire. Là, je suis en posture neutre. J'expire et je commence à imprimer le bas du dos dans le sol. Allez. J'inspire. J'expire. Je déroule les vertèbres. J'inspire. J'expire.
Je plaque ici le bas du dos dans le sol. J'aspire mon nombril. Respiration dans les côtes. J'expire. Je déroule. Et ensuite, quand j'ai terminé, je peux rattraper ma posture neutre pour un temps de récupération. Troisième exercice, on reste en position, donc allongé sur le dos. On va venir se placer en tablette renversée, donc en tabletop. Donc je vais lever les jambes. Donc très important ici, il faut que vos cuisses soient perpendiculaires à votre tapis et les tibias à peu près parallèles au niveau du sol. Les jambes largeur du bassin. Là, je suis en tablette renversée. Donc là, sur l'inspiration, je vais inspirer. N'oubliez pas de respirer bien dans les côtes, ce qui va permettre de serrer le ventre et d'engager les muscles abdominaux profonds, le transverse, et aussi d'engager le périnée. Je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais venir, on va descendre ici la jambe droite. Je vais toucher point dans le sol. J'inspire, j'expire, et j'engage ici ma sangle abdominale profonde et je ramène. J'inspire. J'expire. Respiration toujours dans les côtes. J'inspire. J'expire. Je remonte. On conserve la tablette renversée. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. J'inspire. Expire. J'inspire. Expire. On essaie de ne pas trop tendre la jambe. Vous voyez, elle est fléchie. J'inspire. J'expire. Allez. Rapprochez le bas du dos au niveau du sol. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On va faire une dernière fois. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On retrouve notre tablette renversée et ensuite on pose une première jambe et l'autre pour retrouver notre posture neutre. Pour ce quatrième exercice, donc ça va ressembler très sensiblement donc à l'exercice précédent, sauf que là on met les pieds dans le sol, en posture neutre pour l'instant. Donc ici la tête bien alignée, les bras le long du corps. Je vais inspirer, toujours la respiration dans les côtes qui va permettre donc bien sûr de serrer le ventre. Je vais inspirer et sur l'expiration vous allez décoller la jambe droite et venir placer en tablette renversée sur l'expiration. J'inspire, j'expire et je repose à côté de l'autre jambe. J'inspire, j'expire. Là, je plaque le bas du dos. J'inspire, j'expire. Toujours le bas du dos plaqué dans le sol. Et là, vous retrouvez votre posture neutre dès que vos deux pieds sont dans le sol. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Coulez le bas du dos dans le sol. J'inspire, j'expire. Donc pendant tout le mouvement, je suis en posture imprimée. Il n'y a que quand vous avez les deux pieds à plat au sol, vous repassez en posture neutre, petit creux de l'aine lombaire. On va faire encore deux cycles. J'inspire, j'expire. Allez, respiration dans les poils. Plaquez le bas du dos dans le sol. Les lombaires au plus près du tapis. J'inspire, j'expire. Allez, coulez, coulez, coulez. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire et relâchez, repassez en posture neutre. Nouvel exercice, placé sur le dos, le pont sur les épaules, shoulder bridge. Donc je suis ici en posture neutre, talon près des fesses, jambes largeur du bassin. Et dans l'exercice, on va chercher à décoller ici le bassin, serrer les fesses pour sentir la contraction non seulement de la sangle abdominale profonde, aussi des fessiers et des arrière-cuisses. Et même un petit peu les poids de sèche dessus des cuisses. Donc on va éviter de trop lever vers le haut, car ça va provoquer l'ouverture des côtes. Donc nos amis de yoga, de temps en temps, on peut arriver à voir ça. Nous, on va chercher plutôt à aligner son corps, genoux alignés aux hanches, alignés aux épaules. Donc attention de ne pas trop exagérer. Donc on va partir du sol, à partir de la posture neutre, les bras bien le long du corps, et je vais décoller sur l'inspiration, donc je suis en posture neutre. J'inspire. Je vais plaquer les vertèbres lombaires au niveau du bas dans le sol, puis je vais décoller les lombaires une à une sur l'inspiration. Je décolle, je serre les fessiers, tout le poids sur les omoplates, et sur l'expiration, je vais dérouler en sens inverse les vertèbres une à une jusqu'aux lombaires.
sur l'expiration. Je me replace en posture neutre. J'inspire. Je passe en posture imprimée. Je décolle le bassin. Je serre les fessiers. J'aligne mon corps. J'expire. Serre bien les fesses. J'expire. Je déroule. Je me replace. J'inspire. Je décolle. Tout le poids sur les talons. Non, sol. Bien ancré. J'expire. On va faire encore deux fois, je me replace. J'inspire. J'enroule. Les vertèbres une à une. On peut presque les compter. Je le reste ici. Attention de ne pas rester en apnée non plus. J'expire. Je me replace. Dernière fois, j'inspire. Allez, finissez bien l'inspiration jusqu'au bout. Même quand on arrive en haut. J'inspire, serrez les fessiers. Expirez, déroulez les vertèbres une à une. Et je me replace en posture neutre. L'exercice suivant, à partir de la position du pont sous les épaules, donc je me place ici en haut, donc je lève mon bassin, toujours aligné genou, hanche, épaule. Et je vais venir ici, regardez bien, sur l'expiration, je vais venir décoller les talons. Et j'inspire légèrement les pointes de pied. J'expire. On fait travailler donc les mollets et les muscles de la cheville. J'inspire, j'expire, je décolle les talons, j'inspire. Attention de ne pas descendre le bassin, restez bien aligné. De dernière fois, j'expire. De temps en temps, on peut placer son bassin à nouveau si on a tendance à descendre. Replacez-vous, je pose. Dernière fois, j'expire, je décolle les deux talons, restez aligné. J'inspire, je décolle les orteils, je repose les pieds et ensuite je peux dérouler mon dos vers l'avant après vertèbre. Et posture neutre. J'ai conservé ma posture du pont sur les épaules, donc tout le poids ici sur les omoplates et les talons bien ancrés dans le sol. Je vais inspirer, toujours respiration dans les côtes, et sur l'expiration, je vais lever ici ma jambe droite. J'inspire, j'expire, descendez pas le bassin, je pose. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Encore deux fois, j'inspire. J'expire, serre le ventre, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Allez, dernière fois, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Descendez bas le bassin, agitez le bassin s'il y a besoin. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, je replace et ensuite je vais dérouler mes vertèbres. Et je reprends ma posture neutre. Je vais venir me placer maintenant sur le côté. Donc je vais tourner tout simplement en sécurité. Et je vais m'allonger de tout mon long. Donc j'étire bien le vertébral. Je vais poser mon visage ici sur le bras. Donc, pomme de main vers le plafond. J'étire loin, loin, loin avec le bras. Je vais placer, donc mes jambes sont tendues. Les talons rapprochés, les orteils séparés. Donc, en pilote V, et je vais venir fléchir les pieds, donc pied flex, la main au niveau de la poitrine, sans décoller la tête et le buste, je vais inspirer, sur l'expiration, je vais décoller les jambes, légèrement, j'inspire en haut, j'expire, je redescends aussi lentement que j'ai pu monter, j'inspire, j'expire, je décolle, j'inspire, j'expire. On travaille bien sûr le centre du corps et ça implique les obliques, les abdominaux latéraux. J'inspire, j'expire. Appuyez bien dans le main dans le sol. Je vais vous aider à prendre appui. J'inspire, j'expire. Je redescends lentement. Deux dernières fois. J'inspire, j'expire. Je décolle. J'inspire, j'expire. Je repose. Dernière fois, j'inspire, j'expire, je décolle, j'expire, je repose lentement. Je me mets en chaîne fusil. Je me redresse, je tourne sur ma fesse pour changer de côté. Je me replace allongé. Toujours les pieds en pilavé, talons contact un petit peu comme un V. Et les pieds flex, serrés, j'allonge. Mon visage sur le bras qui est bien étiré, bien étendu. J'inspire, j'expire, je vais lever légèrement les jambes. Alors je peux monter hein, si je veux.
J'inspire, j'expire, je redescends lentement. Encore 4 fois. J'inspire, j'expire, j'appuie, je monte. Je sens bien les obliques sur le côté. J'inspire, j'expire, je descends. Inspire, expire, monte. Inspire, expire, redescend. On le fait encore 2 dernières fois. Inspire, expire, monte. Inspire, expire, descend. Dernière fois, inspire, expire, monte. Inspire, expire, redescend. Et je relâche. Nouvelle posture au niveau du placement. Je me mets sur les deux petits os des fesses, nos deux ischions. Et là, je vais me mettre en équilibre fessier. Donc, je vais me mettre ici. Donc, si je ne peux pas être en équilibre fessier, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser un pied dans le sol. D'accord? Ça, c'est l'adaptation. Je vais faire une variante d'un exercice qui s'appelle « Rolling like a ball », c'est-à-dire la roulade. C'est un exercice qui va automasser la colonne vertébrale. Donc, je vais mettre les jambes largeur du bassin, en table d'être renversée. Alors, c'est pas grave si vous avez un petit peu l'inclinaison des pieds vers le bas. Et je vais mettre mes mains au niveau des tibias. Donc, bien large au niveau ici des épaules, les coudes un petit peu vers l'extérieur si je veux, pas de problème. Je tire bien ici mon sommet du crâne vers le plafond et ma colonne vertébrale. Je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais rouler en rentrant le menton vers l'intérieur. Et je remonte. Attention de ne pas, en roulant, poser la tête dans le sol. On roule juste au niveau des omoplates et ensuite on remonte. Donc on va venir se placer, on va faire 4 roulades. Allez, c'est les coudes vers l'extérieur, les épaules bien basses et bien alignées. J'inspire, j'expire, je roule et je remonte. Je stabilise, j'inspire, j'expire, je remonte mon tronc et je me replace. J'inspire, j'expire, le dos s'y forme, le dos arrondi, je stabilise. Alors vous stabilisez la posture grâce au centre du corps, les abdominaux profonds, j'inspire. J'expire, je roule et je replace. La dernière fois, j'inspire, j'expire et je replace et je reprends ma posture neutre, les pieds bien à plat. Exercice aussi en posture assise, s'appelle Hip Circles. Donc, ce sont les cercles jambes tendues, serrées. Donc je vais me mettre toujours assis sur les deux pointes osseuses. Au niveau des fesses, les deux petits ischions, et je vais mettre les bras derrière, tendus, les doigts tournés vers l'arrière. Si j'ai mal au poignet, je peux éventuellement modifier mon placement au niveau des mains ou me mettre sur les coudes, ça sera l'adaptation. Ok, donc largeur, épaule ou un petit peu plus large si vous avez des problèmes articulaires, et je vais venir mettre en tabletop. À partir de cette posture, comme je ne suis pas traversée, je vais venir tendre les jambes. Les talons en contact, les orteils séparés, bien élevés. Sur l'inspiration, regardez, donc les épaules bien en arrière. Je coupe bien la poitrine. Sur l'inspiration, je vais faire un cercle vers la droite. Et expirer, je vais remonter, fermer le cercle. Puis de l'autre côté, je vais inspirer. Expirer, je referme le cercle. Je peux le faire aussi également sur les coudes. Je vous montre l'adaptation. J'inspire. Je ferme sur l'expiration. J'inspire, on part dans le sens, gauche, expire, fermez le cercle. Je peux également le faire jambes fléchies, hein, si c'est trop dur d'avoir les jambes tendues. J'inspire, moitié de cercle, j'expire, on ramène. J'inspire, on part vers la gauche, vers la droite, j'expire, je reviens. Allez, dernière fois, on fait de façon normale, jambes tendues, j'inspire, j'expire, je remonte. J'inspire. J'expire, je remonte et je reprends ma posture neutre. Ensuite, on va passer en posture quatre pattes, quadrupédie. Donc attention ici, je vais essayer d'aligner mes épaules au niveau de mes poignets ou de mes mains. Ici, mon bassin, je vais légèrement le mettre en arrière. Ici, ce qui va impliquer un engagement du centre du corps, ici en fermant au niveau de la hanche. Ça va également étirer bien votre dos. Donc je vais mettre comme ceci. Et là, je vais venir. Donc là, je me mets pied crocheté. J'ai le dos ici un petit peu creusé. La tête élevée. Là, je renforce le haut du dos.
je vais inspirer. Sur l'expiration, je passe pied tendu dans le sol et je vais pousser dans le sol et je vais faire la posture du chat. Cet exercice s'appelle 4 stretch. Je pousse le dos vers le plafond. J'inspire, j'expire, je repasse en pied crocheté et je reviens ici en extension du dos. J'inspire, j'expire, je passe ici, pied pointé, le chat. Posture du chat, là on engage ici, toujours respiration dans les côtes, j'engage les muscles profonds du dos et j'étire le dos. Et inversement, pied flex, expire, extension du dos, là je renforce le haut du dos. Et j'étire toute la partie antérieure. Pieds pointés, j'inspire, j'expire, poussez. Enfile au menton, j'inspire, projetez, expirez, extension. On fait encore deux fois. J'inspire, pieds pointés, expirez. Et projetez, j'inspire, expire, extension. Toujours le bassin un petit peu en arrière par rapport au genou. J'inspire, expirez, poussez. J'inspire, expirez, extension. Allez, une dernière fois pour la forme. Pieds pointés, j'inspire, expire, poussez. Là, les omoplates s'écartent. J'inspire, expire, pieds projetés, extension. Et là, les omoplates vont plutôt vers l'arrière. Ok, je relâche. Et je vais mettre les fesses contre les talons avec les genoux plus ou moins écartés si on préfère. Et on vient récupérer. Faire un petit pot sur l'enfant. Et je remonte. Et pour finir, dernière position, je me place cette fois-ci sur le ventre. Comme ceci. Alors, je peux garder les jambes largeur bassin. Et je vais essayer de que les talons se regardent, donc face à face. Je vais placer ma main gauche sur le tapis, la main droite sur la main gauche. Et je vais poser le front sur les mains. Ici. On va travailler donc l'extension du dos, renforcer le dos, en particulier les lombaires, au niveau des lombaires, en serrant les fessiers également. Je vais inspirer et sur l'expiration, je décolle légèrement en laissant le front sur les mains. J'inspire, j'expire, je redescends. J'inspire, j'expire et je serre les fesses. J'appuie le pubis au niveau du sol. J'inspire, j'expire, je redescends. On va faire encore trois fois. J'inspire, j'expire, je décolle légèrement, sans exagérer. Je sens ici mon travail au niveau de la chaîne postérieure. J'inspire, j'expire, je redescends. Deux dernières fois. J'inspire, j'expire, je redécolle. J'inspire, j'expire, je redescends. Aussi lentement que dans la montée. J'inspire, j'expire, je décolle, j'inspire, je redescends. Une dernière fois, on va rester une dizaine de secondes en haut. J'inspire, j'expire, je remonte. Et on va faire deux cycles respiratoires, ne restez pas en apnée. Serrez bien les fesses, mais les fesses se serrent naturellement dans cette posture. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, relâchez. Très bien. On va rester le front sur les deux mains, comme ceci. Et cette fois-ci, je vais décoller légèrement les deux jambes. Donc les talons qui se rapprochent, ici, qui se regardent. Et sur l'inspiration, je vais faire des battements. Et pareil sur l'expiration. Donc assez dynamique. Inspirez, expirez. Les cuisses sont légèrement décollées. Inspirez. Expirez. Si je veux mettre une progression dans l'exercice, que je veux un peu compliquer, je décolle un petit peu légèrement au niveau du dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va faire deux dernières fois. Inspirez. Expirez. On peut élargir même l'écartement. Inspirez. Expirez. Et on stabilise. Et on repose. Là, on a senti bien le travail au niveau des lombaires. Les mains ici au niveau des épaules.
J'inspire, je lève légèrement les fessiers, je suis en appui sur les genoux, projeter les pieds, poncer avec les bras pour ne pas trop avoir un travail trop important au niveau du dos. Et ensuite, on va rapprocher les fesses sur les talons. Je vais rester un petit peu, relâcher le dos. Ça étire légèrement la partie dorsale et les épaules. Et ensuite, je reviens tranquillement sur une dernière expiration. Voilà les amis, j'espère que vous avez pu apprécier ces exercices de Pilates que j'ai essayé d'adapter pour le plus grand nombre. N'oubliez pas d'enclencher les notifications pour suivre les prochaines vidéos et merci encore d'avance pour votre soutien au niveau de la chaîne. Quant à nous, on se voit la semaine prochaine comme d'habitude. Salut à tous, ciao.